couvert. Je vais l'occuper. Hop, par ici. Dépêche-toi, il va recommencer. Baissez-vous. Relève-le. Je vous couvre. Tiens, Noct. À notre tour. L'heure est venue. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse! Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas, je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Altissia au péril de notre vie. Cor nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. Pourquoi t'en faire pour moi? Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils.